Eh bien, salut à tous les amis, c'est Captain Price Nawak. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour un nouvel épisode de New Pokémon Snap. La dernière fois, on s'est occupé exclusivement d'Aptos, de jour, de nuit et de jour. Et on était passé niveau 3. Et là, on va continuer, je pense. Allez, un petit peu sur Aptos, je pense que ça serait bien qu'on continue. Parce qu'on est passé niveau 3 et qu'on aille voir un petit peu quel Pokémon on nous propose dans ce niveau 3. Avant de poursuivre, et puis bien sûr dans cet épisode on se rendra dans la nouvelle destination découverte par le professeur Miroir, qui est le volcan Lavacool. J'espère que je ne dis pas de bêtises, que c'est bien ça Lavacool. Est-ce que c'est ça ou pas? Nous allons bientôt le savoir. Et sinon, ben voilà, comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, likez et abonnez-vous seulement si vous aimez le contenu de la chaîne. Alors, oui, rentrez à la base. Va explorer Aptos. Oui, monsieur. Voilà. Alors, voilà, des arts jours, on est passé niveau 3, mais on n'a pas été voir ce qu'il y avait. Donc, moi, ça me dit bien d'y aller. Puis ensuite, on ira bien sûr au volcan. Lavacool, ouais, c'est bon, j'avais bien dit Lavacool. Et puis après, on ira à Copadia. On avait commencé Copadia, on avait fait la plage, mais. On finit d'abord le désert et le volcan et après on voit. Oh, qu'est-ce que je viens de rater là? Oh, comment je fais? Oh, il faut que je sois plus rapide, il faut que j'arrive à le choper. Là. Tu m'as fait mon gars, refais-le. Non? Ah. Ouais, les traces de pas, la couronne de petite taille. Ça, je vois rien de nouveau. Allez, on va faire sortir l'Ibégon. Alors, il se passe trop de choses là. Il est là. Ok. Je sais pas comment est-ce que je peux faire pour le choper avec 2 étoiles ou 3 étoiles. Il va plus en par milliers. Hop, tiens. Ok. Le Garrot. Feu. Ah, ça, c'était un arbre. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Quelque chose remue dans les buissons. Oh! Tu veux des piles? Du Naja. D'accord. Tu sors de là ou pas? Non. Nouveau Pokémon. C'est cool. Non! Libégon, Essayant. Bah, tout ça, on les a vus déjà. Nuit d'or.
Eux, ils n'ont pas bougé. Ah. Chambino. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, Scarabruc. Où il va? Oh, là, ça le prend. Je suis nulle. Oh, tu as photographié un nouveau Pokémon. J'ai hâte de voir ça. Sélection automatique, s'il vous plaît. Voilà. Allez, c'est parti. L'avis du prof. On va voir les photos que tu as prises cette fois-ci. Alors, Rapion. Bon, bah, c'est toujours du 2 étoiles. Hein. Je pense pas qu'elle soit meilleure. Et voilà. Du bronze. C'est nul. Nul, nul, nul. Igolta. Toujours du 2 étoiles. Il faut que j'arrive à le choper. Avec son espèce d'ombrelle, là, je sais pas ce que c'est. Cacnea. Nice timing. Un spécial avec Cacnea, c'est toujours pareil, voilà. Libégon aussi. Une ancienne, bah oui, deux points. Hippodocus. Ah, on gagne un peu. Ah ouais. Ouais, on va la garder. Dunaja. Et celui-ci, c'est un Dunaja. C'est la première fois que je vois ce... Ah, voici un Pokémon. Ah, mais laisse-moi le temps de lire, monsieur. Bon, c'est moi qui appuie, donc en fait, c'est moi qui ne laisse pas le temps de lire. Mais celui-ci, c'est un Presmillon. Oui, alors Presmillon, une étoile, c'est déjà du diamant. Ça m'étonnerait qu'on gagne plus avec cette photo. Voilà, c'est le coup. Ça te voit. Ouais. Voilà. Flambino. Flambino, Flambino. Ouais. Et aussi Scarabruc. Scarabruc, je pense pas que ce soit meilleur. Attends. Si. On voit à peine. Bah, foi. Ma foi. Alors monsieur, qu'est-ce qu'on fume là? Allez, on a gagné quelques points pour le niveau 3. Je sais pas si on passe au niveau 4 par la suite. L'exploration avance bien grâce à tous les efforts. Je vais prendre exemple sur toi et redoubler d'ardeur dans mes recherches. Écoute ta vie, monsieur. Alors, oui, on va recommencer. Niveau 3. Allez. J'aimerais bien choper cette Igolta là du départ, parce que je vais y arriver. Allez! Ah! Non! En fait, il arrête au moment où j'ai l'appareil dans les mains. Est-ce que tu vas le refaire, monsieur? Tu danses, tu t'en fous. Les Cacnea, ils sont en mode on se laisse vivre. Avec les poutres. Bon. Tant pis.
Allez, on va faire sortir les bigots. Allez, mais qu'est-ce que c'est ça? Il est où? Ah, il est là. Monsieur. Alors comment on fait toi pour choper? Ah. Ah, intéressé par les pommes. Intéressé par les pommes. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il va où avec ça? Oh, il se casse. Allez, cette fois on passe par là. J'espère qu'on va avoir des trucs cool. Ouais, moi aussi. Ok, le gars qui tire un aussi, c'est déjà. On va se saquer. Non, je cours. Lui, c'est une statue là-bas. Moi, je bouge pas. Alors ici je suis sûre que je dois rater des choses, je dois mal m'y prendre, je dois pas faire ce qu'il faut, je pense qu'il doit y avoir autre chose avec ça. Je peux pas avoir que des onyx. Bon, ben voilà, j'ai terminé. C'était pas ouf cette promenade là, cette fois. Bon, on va voir ce que ça donne au niveau des photos. Et puis ensuite, je pense qu'on ira au volcan. On dirait que tu as pris des photos particulièrement réussies cette fois-ci. J'ai hâte de les voir. Bon. Sélection automatique. L'avis du prof. Yes. Allez, regardons tout ça ensemble. Igolta. Bah lui alors, hein, pour choper avec son truc. Si vous savez comment on fait, dites-moi. Ça pour avoir de l'argent. Bon. Cacnea. Nice timing. Il est où Cacnea là? C'est Magikarp que je prenais moi en photo. C'est quoi cette arnaque? Bégon. Bah, c'est du 4 étoiles, bon ben voilà. On a réussi à le prendre autrement, mais c'est du bronze. Hippodocus. Il a l'air bien calme. Ok, donc il se passe rien, donc c'est pas intéressant. Bougarok. Ah, c'est peut-être une meilleure photo que celle d'avant. Ah oui. Ah, du diamant. Bon, c'était déjà du diamant, mais on a plus de points, donc on va la garder. Tyrannosif. Nice timing. Je pense pas qu'on... Ah, 2 étoiles. Allez. Ouais, c'est bien ça. Magikarp. Magikarp. Nice timing. Ouais, je crois pas qu'on gagne plus de points. Si, ah si. Mais ça reste du bronze quand même.
Onyx. Une étoile. Et c'est du... Ah, je crois que ce serait du bronze, ok. De l'argent. Alors, les points, monsieur, les points. On est presque à la moitié. On dirait que les Pokémon t'apprécient de plus en plus. Ça se voit sur les photos. Ah bon, tu es sûr de toi, monsieur? Vous avez obtenu un score d'au moins 6000 points 50 fois au cours d'une évaluation. 4000 points. J'ai mes lunettes, hein, je vous rassure. 6000 points, tu m'appelles si j'ai 6000 points. Je sais pas si ça vous rassure que je vous dise que j'ai mes lunettes et que je n'arrive pas à lire 4000 et que je comprends avec 6000. Moi, ça me rassure pas finalement, mais bon. Alors, c'est parti, on va. Je pense que cette fois, on va aller au volcan. Je vais un petit coup d'œil, je vais essayer de ne pas m'enjailler face aux nouveaux Pokémon qu'on pourrait y voir et rester calme, prendre des bonnes photos. Je vais essayer, je vous promets pas, hein, parce que le Nawaki est toujours avec moi. Mais on va essayer de faire ça. Pour photographier des Pokémon sauvages, il faut de la patience, mais pour atteindre le. Lalalala. Pas très intéressant, monsieur, ce que tu racontes. Les orbes Lumina. Non, c'est une orbe Lumina sur un. Tu n'as jamais le temps de dire. Alors. Derrière nous, on a un magnifique Pokémon. Je vais prendre tout de suite. Salut toi. Oh, il est beau. Mais excuse-moi, mais c'est pour la photo. Ah, il s'envole. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Oh. Oh là là, ça y est, je commence à m'enjailler, ça y est, c'est pas bon, ça va pas le faire. Allez, voilà. Qu'est-ce que c'est? Aéroptérix. Oh, un petit rat. Vexillus. Oristicram. Oh là là. Monsieur. Ah, il s'est tourné. Ah, il m'a vu. Oh. Oh, 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 oh. Ça fait peur. Si je réussis pas ou quoi. Oh là, oh là, oh là. Comme ça accélère. Il me court après le gars. Ah, c'est sérieux, hein. Extrait. Ça, c'est ça. C'est mieux et difficile de. Là, je suis vraiment dedans. Gravelanche. C'est un limagma, ça. Oh non, elle... Oh, il a sauté. J'aurais dû le prendre en train de sauter, en fait, je pense. Salamèche. Oh, j'ai des salamèches. Sala, sala. Allez mon petit, ben, je vais la prendre. Ok, ben, on a vu déjà. Ni magma. Charter. Okay.
toute chose, il y a toute chose. Respire, respire, respire. Plein de salamèche. Hop, dans la tête. Ça c'est des ruines antiques. On va faire les photos. On est arrivé déjà? Oh déjà? Ah, te revoilà. J'ai hâte de voir les photos que tu as prises sur ce nouveau parcours. Bon, on va faire la sélection automatique aussi. L'avis du prof. Et ajoutons un œil aux photos que tu as prises. Altaria. Altaria, moi j'adore ce Pokémon. Alors, mais c'est un Altaria. Pardon, j'arrive plus. 2 étoiles. Ouais, c'est du bronze. Pas terrible. Luxray. On le voit pas. C'est quoi cette photo? C'est écrit automatique là. Toutes les photos que j'ai prises de Luxray. C'est du 3 étoiles, mais on le voit pas. Il a l'air assoupi. Ouais. 3 étoiles bronze. Aeropteryx. Best timing. 3 étoiles. Argent. Ok. Rexilius. Alors lui. C'est un Rexilius, oui, effectivement. Ou c'est ses dents au moins, du coup. 3 étoiles. Ah, ça devrait me rapporter un petit diamant, ça. Hein. Mais quelle déception. Chimp en feu. Ah, c'est pas Mysticram, c'est Chimp en feu. Oh, 1 étoile, ouais, voilà. On le voit. C'est trop bien sur la photo. Charpent. Si on voit pas trop bien, il faudra que je prenne une meilleure photo. Du bronze. Kira. Voilà. Gravalanche. 2 étoiles. Et du bronze. Limagma. Limagma, il faut que je le prenne quand il saute. 1 étoile. Ah, c'est du bronze, ouais, voilà. Salamèche. Ah, allez. 3 étoiles. Et c'est du diamant. Merci, Salamèche, merci. Enfin, ruine antique, bon, ça compte pas, ça compte pas de points. Et voilà. Alors monsieur, qu'est-ce que ça donne au niveau des points? Oh, ah, la défaite, 544 points s'il te plaît. J'ai du mal à croire que c'était la première exploration sur ce parcours, continue comme ça. La défaite à 544 points. Vous avez enregistré. Pardon. Vous avez enregistré 5 Pokémon de type feu dans le Pokédex. Vous avez enregistré 2 Pokémon de type dragon dans le Pokédex. Photodex, pardon. Pokédex. Mais tais-toi donc. Bon, chers amis, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu avec tout le nawak qu'il y a partout. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était Captain Price Nawak. À bientôt et salut.